Oh bah tiens, c'est mignon comme tout ça. Attendez, regardez ça. Combien il y en a? Je mis la tour. Non, il y en a au moins 4. Il y en a 6. 5, 6. Ils veulent ou pas? Parce que là, ça commence à... Bah écoute... Parce qu'ils vont pas regarder en vrai. Bah, en entier. Je ferai un skip au montage, c'est pas grave. Ah! Sérieusement, qui m'a fait ça? Les amis, c'est tellement magnifique. Oh là là là. C'est moi qui ai tout trouvé, c'est moi qui ai trouvé. Ouais, GG Ben 13. Franchement, gros, GG Ben 13. Il y en a d'autres là-bas. Attends, je vais buter ce creeper. Oh, comment je l'ai géré? Oh, l'araignée. Bonjour les Minecraftiens, ici Seb 35. Nouveau jour de survie aujourd'hui, et comme vous venez de voir, on a beaucoup, beaucoup miné avec Ben 13. Ben 13 est resté dans les mines. À ce propos, on a masse de ressources à partager avec tous ceux qu'on a retrouvés, donc Tingeoff est parti vite fait, je sais pas trop où il est passé d'ailleurs, faudrait le savoir, mais Mister Fanax est là, il s'est pas trop éloigné. Aïe! Je suis en train de me faire transformer en hérisson par un squelette. Transformer en hérisson. Mais je suis sans vie. Rien que ça. Et on a trouvé quelques ressources! Stacks, presque 3 de charbon, on ramassait pas trop. 5 stacks et demi de fer, manque 3 lingots d'or pour en faire une pomme cheat. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stacks de redstone. 2 stacks et demi plus 17 blocs de lapis et 27 diamants restants. T'es où? Je suis dans la salle des coffres, en fait, je suis chez moi. Ben 13 a fait une salle des coffres là-dedans, il faudrait que c'était la maison de tout le monde. Sauf que vu la taille... Ah, ça c'est tout écolorant de Ben 13. Ben 13 s'est mis dans la tête de faire des dizaines de feux d'artifice. Bon, en son absence, je vais les laisser tranquille. Pourquoi pas, après tout. Ah, bah voilà. Ah oui, la salle des coffres, ouh, ça a l'air... Il s'est passé des... Comment ça, vous avez des disques? Vous avez trouvé un donjon? Oui, Ben a trouvé un petit donjon à squelette. Je n'ai pas pu l'accompagner parce que je tenais un peu plus à la vie que lui. Et il est complètement schizophrène, voire suicidaire, il a des maladies mentales, je sais pas trop ce qui lui arrive, pourquoi. Vous l'avez pas cassé? Bah non. Non, ah. Ça peut servir quand même. Ça va faire plaisir à Joris. Ça peut toujours servir, ce genre de truc. Mais un arc. On a un arc. Ah oui, tiens d'ailleurs, hop, voilà. Le cadeau de Joris, un peu de pain. Et j'ai aussi de l'obsidienne. Donc aujourd'hui on a des choses à crafter en masse. Et je vais commencer par le plus utile d'entre eux, n'est-ce pas? C'est... Tu vas voir. Tu as pris du diams. Oui, j'ai pris du diams, c'est genre les stagiaires. Voilà, par les stagiaires. Ta phrase était entrecoupée. Je crois qu'il y a eu un problème au niveau de la communication. Complètement taré. Bon. Qui invente ces systèmes de succès là? Je commence à désespérer à croire qu'on est dans un jeu vidéo, ça devient n'importe quoi. Je crois que je deviens un peu fou. Un peu, beaucoup. Passionnément à la folie et pas du tout. Attendez. Mon jukebox il est là. Oui! C'est 4 ça, c'est trop cool! Je suis sorti de la zone d'écoute. Je ne l'entends plus, je suis trop loin. Bon, je vais faire des crafts avec le diams, n'est-ce pas? Bon, tu as déjà une épée en diams, je vais en faire quelques autres. Ouais, c'est pas la priorité. Je vais commencer par me refaire un set d'armure et pas mal de trucs. On a du diams, ça va, mais bon, ça va partir très vite. C'est pas parce qu'on en a masse. Enfin, que... set d'armure quand même. Ah bah non, pas en diams. Ah oui. En fer, seulement. Quand même. Par contre, on a de l'obsidienne. D'ailleurs, as-tu du cuir? Du cuir. Bah pas encore parce que j'ai pas commencé à trucider mes vaches, continue les offrir. Il en faudra un de toute façon. Ah bah j'ai un de cuir en fait, c'est une vache que j'ai tuée par erreur. Ok, désolé. Donc tu ramènes ça avec de la canne à sucre et on va crafter des choses utiles. De la canne à sucre j'en ai laissé plein dans le coffre. Ah le disque, ça fait plaisir d'entendre de la musique sur une île déserte. Ouais, ça aide au mental. Tiens bah j'ai du cuir déjà dans le coffre donc ça va, pas de problème.
Ok, donc voilà. Je vais fabriquer un petit livre. Voilà, j'ai déjà les pages. Bah tiens, du cuir. Non, c'est bon, j'en avais déjà dans les coffres. Tu peux le reprendre. Bon, bah. Par contre, j'ai pris mon bouquin. Du coup, j'ai pris le bouquin, moi. Ouais. Voilà, voilà, donc ma bouquin. Merci, et je viens d'obtenir le. Le rien. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je crois qu'on devient tous complètement tarés. Pourtant, la musique adoucit les mœurs. Qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Ça fait un peu des étincelles partout, donc je me demande. Quel genre d'étincelles ? Je crois que t'es en train de fabriquer un truc pas net avec ce bouquin. J'ai du poulet rôti, ça ne sert absolument à rien. Et donc moi, il me faut de... invoque la puissance de la magie si tu te demandes. Ah d'accord. Magie blanche, j'espère. Faudra poser la question au maître Vaudou qui m'a enseigné cette technique. D'accord, magie noire. Moi, j'ai pas rien. Hein. Dans la nature. Hein. Et puis sinon, après, on se mal voir si on fait de la discrimination. Enfin bref. Hop, et je me refais un set intégral d'armure en fer, n'est-ce pas? Moi, je vais me faire cuire beaucoup de stone. Parce que, puisque j'ai du charbon, autant le gaspiller. Et j'ai plus de blé. Et j'ai beaucoup trop de stuff. Je peux plus rien ramasser, mes poches sont pleines. Et ça oh, ils sont mignons. Bon, j'ai rangé des trucs. Bah, déjà. Eh oui. Suite comme je suis, je pourrais enfiler mon armure, ça me fait un peu de place. Je peux tenir ça dans la main. Et voilà, bon, bah là, il n'y a plus aucun problème. Bon, bah maintenant, je vais quand même ranger des trucs parce qu'il va falloir que je l'enlève pour la poser sur la table d'enchantement magique. Ça a l'air sympa. Des blocs de naturel. Les fils. Voilà. Alors maintenant, il me faut un peu de verre. Donc un peu de sable. J'ai de la pisse. J'ai pas mal de trucs. Et tout se passe bien pour le moment. Et donc, je disais que j'enchantais l'intégralité de mon armure. Qui va avoir des attributs magiques, n'est-ce pas ? Protection. Carrément. Protection. Hein. Protection hein, pour plus bon, de bah, niveau, voilà. C'est génial, merci. Moi en gros je suis en train de mettre en place des petites serres. Mais bon, pour ça, faut que je fasse cuire ma pierre et mon verre. Enfin mon sable. Tu fais cuire du verre, tu obtiens d'autres verres, c'est débile. Si tu cuis des verres, ben. Bah t'as du verre, c'est bon. Ouais. Bon, en même temps, c'est un peu vrai. Bon, en même et temps, ça sert à rien. Diamant. Ça ne sert à rien. Alors. J'en étais où moi, oui, c'est vrai. Une hyper en diamant. Que j'ai affûtée. Elle est désormais plus tranchante. Et puis offre plus efficace. Bah, t'as qu'à tout aiguiser. Ouais, j'aiguise tout au max. Si tu peux aiguiser les armes, aiguise les armes. Toutes les armes. J'ai chauffé un petit peu mon armure et. Plus solide et chauffer ton armure, mais tu peux plus l'enfiler après en fait. Chauffer, pourquoi je dis ça moi? Je deviens complètement fou. C'est pas oui, grave. Parce que si tu la mets dans un four, est-ce que le fer ça résiste bien à la chaleur? Est-ce qu'elle risque pas d'un peu de fondre? Bah, ça pose pas de problème ça. Ouais. Vu que de toute façon ça va juste se déformer, il suffit d'attendre que ça refroidisse pour que ça pose plus aucun problème. Tout ça est très étrange. Hop. Et on peut désormais. Désormais ? Désormais ? Ouvrir un portail vers un autre monde, tout simplement. Sérieux ? Ah bah. Moi je fais jamais les choses à moitié. Ouais. Bon, et bien allons dans un autre monde. En tout cas, j'espère que c'est un monde sympa, genre le paradis.
Ouais, on verra bien. Bon, le mec, le même, le vaudou là qui m'a expliqué ça, disait que c'est un autre monde, de merveille, tout ça. Tu peux me passer son numéro? Ou genre il est dans les pages jaunes ou... Oula. Parce que il a l'air d'enseigner des trucs sympas aux gens, lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu n'importe quoi avec, avec mon obsidienne, moi. Ah. Hop. C'est quoi ça? Je sens qu'une torche s'impose, mais je n'ai pas de torche sur moi, donc c'est pas grave. Alors. Et ça m'a l'air plutôt bon tout ça. Bon, on va pouvoir voyager dans un monde parallèle dans ce cas. Ouais. Eh bien, ça va être sacrément cool. Il faut juste un briquet pour l'allumer. C'est ce que j'ai vite fait compris. Un briquet pour l'allumer? Ouais. Et j'ai vite fait appris comment faire. C'est pas trop compliqué. Déjà, on peut trouver un peu de silex dans le gravier. Je vais tenter un truc un minimum gravier en boucle jusqu'à ce que je trouve quelque chose dedans. Hop, alors. Sur un point viewer, bah écoutez, cherchez une aiguille dans une botte de foin de 1 mètre cube. Enfin, c'est une plutôt grosse aiguille, ça va encore, mais quand même. Bon, on a déjà la musique d'ambiance, hein. Moi j'ai remis 4. Ah ouais? Non, moi je suis trop loin, je peux pas l'entendre de là où je suis. C'est bien dommage. Le viewer l'entende. Vous êtes heureux. Comment ça, bot YouTube? Eh, hey, Joris, tu dis rien contre ça. Joris, il est caché pendant que sa sécurité était un peu menacée par des hordes de zombies. Même si, bon, les zombies ont pas l'air d'avoir particulièrement envie de le manger, ils ont juste envie de le démonter. Ah, félicitations, je suis vraiment un nul. What? Je creusais un gravier en boucle pour trouver du CX dedans, sauf qu'on avait déjà du CX dans les coffres. Oh non, un bébé! Je frappe des enfants! On va être on va plus pouvoir être sur YouTube. C'est dommage. Ah, on a déjà fait ça de toute façon. Attention, ouais, c'est vrai. Ouverture de la porte! Oh, j'arrive! Pourquoi est-ce qu'il y a 5 creepers autour de moi? Les bruits que ça fait, c'est... Oh, cours, non, ne te laisse pas envahir par l'hypnotisation. What the fuck? Quel genre de bruit, on dirait des... Des sortes de cris. On dirait des effets sonores moisis. Oh mon dieu! C'est abominable. Bon. Allez, on y va! Hé, hey, attends, je bois un coup. Partons pour un nouveau monde maintenant que j'ai bu de l'évian. Placement de produit. YOLO. Bon, bah j'attendrai tant qu'il faudra. Merci, voilà. Le paradis. Ah bah non, c'est pas le paradis, bah c'est l'enfer. Ah bah merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah... Oh bon, bon, bah, c'est rouge, et il y a du feu. Bande d'enfoirés. On rentre à la maison. Bon, heureusement, on trouve quelques gemmes de quartz. Je les reconnais de leur couleur blanche. On trouve des gemmes? Ah, de quartz. Non, parce que c'est sur Facebook qu'on trouve des gemmes. Je te sens dépressif. Ouais. Dépressif depuis que j'ai cassé mon casque et que j'ai 30 lingots de fer sur moi, mais pas de table de craft. Et j'ai pas de bottes non plus, ça fait mal aux pieds. C'est quoi ce hurlement? Je crois qu'on... partir de cet endroit plus vite que prévu. Je préfère quand même explorer un petit peu. Eh bah, c'est que tu ne tiens pas tellement à ta vie. On va voir bien comment ça se passe. Par contre, on a absolument pas prévu d'équipement. Je ne peux pas mettre de torche, je ne peux rien baliser. Je vais forcément perdre un jour ou l'autre, c'est génial. Avec de la cobble. Bah, écoute, et je sais pas pourquoi, mais je crois que T'es parti par là. Balisons.
À moi la force magique qui me permettra d'enchanter plus d'outils pour plus de puissance. C'est un peu flippant par ici. Tu m'étonnes. Heureusement, on va faire comme le petit poussé avec des blottes de 1 mec. Donc ça fait plaisir. T'es vraiment pas beau toi, t'es même carrément moche. Tu parles au cochon? Oui. Eh bah tu vois les... En état de décomposition avancée, c'est malsain. Bon. Les OGM, faut faire... Parce que des fois, ça fait des trucs un peu gore de films d'horreur. Exactement. Bon, ceux-là, ils sont tellement modifiés qu'on peut plus appeler ça des cochons. J'ai failli me faire flamber la face. Et par contre, j'ai aucune idée de l'endroit où tu es passé. Tu es reparti dans le monde de base, ou pas? Non. Ouais, je suis toujours là à miner quelques gemmes de quartz. Miner quelques pouces verts. Plutôt pouces bleus, en l'occurrence. Ah. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose d'intéressant en enfer, en fait. Peut-être qu'on devrait continuer à essayer de rencontrer Satan. J'imagine qu'on saura quand on aura Satan quand on trouvera un énorme château et qu'il y aura des tas de diables en train d'essayer de nous tuer. Comment tu... D'où tu sors ça, toi? Bah, on est en enfer, donc il y a peut-être Satan. Ouais, pas bête. Alors si Jésus mentait, et qu'en fait, il y a juste un club de vacances pour touristes chinois. Je crois que... On a des problèmes, des personnes... Ou alors, est-ce que tu sais parler le chinois? Je crois qu'il y a que la langue chinoise n'existe pas, enfin c'est du mandarin, pas du chinois. Oui, mais bon, si c'est parlé en Chine, appelons ça du chinois, non? Bah, ça s'appelle pas comme ça, donc non. Non, mais sérieux. Bah, je suis désolé, faut être rigoureux, même quand on survit et qu'on est dans un enfer, et que... Dans quel monde vivons-nous? Tu es passé où? Je suis un peu obligé de rentrer. Pourquoi? Parce que j'ai un peu fait une chute de 10 mètres et que j'ai un peu mal. Un peu mal? Ça va bien, tu... Non, ça va pas bien. Non, ça va pas. Ah! What? Oh mon dieu! Quoi? Je crois qu'on a trouvé Satan, hein. Ou bien alors un petit serviteur. C'est quoi ce truc? Ah! Je vois pas d'où je suis, mais qu'est-ce que t'as trouvé? Et bim, renvoyé dans sa face. Des ouf. Méduses géantes qui envoient des boules de feu. T'es sûr? Ça, c'était dans la Bible. Et j'ai une larme de... Ah bah tu vois, hein? Voilà, c'est un être conscient. Donc lui fais pas de mal. Et bordel. Ah! J'ai du mal à avancer. Avec cette espèce de chute. C'est pas comme si je m'étais cassé le tibia. Ça doit faire mal. Un peu, oui. Bon, heureusement, j'ai de la bonne eau minérale. Bah moi, j'en ai plus. Là, ça va être dur d'en trouver dans ce coin-là, je pense. Bah, je vais mourir déshydraté en enfer, c'est tout ce que t'as mérité. Non, je crois que je vais rentrer à la maison parce que j'ai vraiment trop soif. Ouais, non, t'as raison. Donc, ah, un chat s'approche, je crois qu'il revient d'exploration. De qui? Tiens, Georges, je crois qu'il est revenu d'exploration. Ah bon? Ah. Fait plaisir. Allez, je rentre à la maison. Je rentre à ma maison, comme dirait... Je ne sais plus quelle série d'ailleurs depuis le temps. Ça fait tellement longtemps qu'on est ici, mine de rien. Bon, pas tant que ça. Mais bon. Quand même. On a quand même des armes en diamant, on est plutôt... Ouais, on est plutôt badass, là. Des armes en diamant, quand même. En essayant de... What? Quoi? Tu t'es fait attaquer par Satan? Non, non, pas du tout. Je suis rentré à la maison et... Oh tiens, t'as un fait de retour. Ouais. Il est là, effectivement. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Guéhé. Je sais toujours pas ranger mes affaires à ce propos. J'ai vraiment plus de place dans mon sac. Bon, ça devrait aller. Je vais pouvoir peut-être commencer à construire ma petite serre. Ouais, il va falloir construire. Ah bah, il va falloir construire d'ailleurs. D'ailleurs, Tinjoff, il va falloir continuer l'immeuble à la gloire de Joris. Et que Joris se décide à sortir de son bunker parce que je profite qu'il est
hors de portée pour le dire, mais c'est un gros trouillard. Voilà, La porte a subi les perturbations magiques de cette table d'enchantement et de cette entrée en enfer, visiblement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je peux plus sortir ! Oh my god ! Ça veut dire que tu es coincé à tout jamais, que tu vas mourir ? Non, attends, Joff me l'a réouverte alors qu'elle était déjà ouverte. Bon, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je chante des... Ouh, je l'ai entendu d'ici, ça devait être une sacrée explosion. Ah oui, il m'a fait... Et ça va ? Hop, hop. T'es pas trop mort ? Ça fait très mal, mais ça va, j'ai survécu. Bon, tant que t'as survécu... Franchement, je me suis jamais fait autant victimiser de toute ma vie. Oh là 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 là, le squelette... Bon bah, je laisse le terraforming à Tinjoff, hein. Désolé Tinjoff, tu nous en veux pas. Moi, de toute façon, je n'ai plus de dirt. J'utilise tout pour faire mes petits... demi-stack, mais je la garde pour moi, merci. Alors, j'étais en train de faire des crafts. De l'artisanat traditionnel. Absolument. De l'art contemporain. Je sais vraiment pas ce que je suis en train de dire. What c'est fou ce que je peux sortir... Comme conneries. Un minéral. Tu es vraiment le premier mec que je vois s'extasier sur de l'eau minérale. On est des survivants. Ouais, c'est vrai. En même temps, de l'eau minérale en bouteille, il n'y en a pas tous les jours. Sur une île déserte. J'ai envie de taper Tinjoff et de le faire mourir. C'est pas très gentil. En plus, je crois qu'il a pas trop de stuff. Ouais, ton armure brille. Au secours. Non, je plaisantais, Tinjoff. Laisse-moi tranquille. Peace and love. Me touche pas, sérieusement, me touche pas. Tu vas me tuer. Mais c'est pas vrai, il s'acharne en plus. Pitié, au secours. Tu le. Ah. Hey, tu tiens toujours la caméra, j'espère. Je tiens toujours la caméra. Ah, on va disparaître. Attends, je fais super mal. Je vais mourir. Je ne sais plus où je suis. Je vais mourir. Ouais, comme n'a plus de batterie, je le sens, je le sais. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage avant que ça ne se coupe tout seul. Et donc merci à Tinjoff et Mr. Phonax pour leur petite présence. On a un peu visité l'enfer et fait pas mal de choses avec nos nouveaux équipements. Et vous avez pu voir quelques séquences de minage avec Ben 13 aussi. Donc sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB. Allez, c'était Fanax. La prochaine fois, on trouve soit Dieu, soit Satan, soit les mandarins.